Salut mon ref, n'hésite pas à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Et puis si en fin de vidéo t'as bien aimé, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu aussi, ça ferait plaisir. Yo les refs, bon, petite vidéo assez rapide pour parler de ce qui s'est passé là, les 10 derniers jours sur mes trips, parce que là c'était un peu l'enfer. Il y a eu des buffs, des nerfs, etc. On va en parler vite fait. Et puis en fin de vidéo, je vais vous parler d'un nouveau build là, qui a été mis au point par un de nos confrères Maître Yi, qui est insane. C'est les Yi nouvelles technologies, next génération. On verra, en vrai ça a l'air pas mal. Je suis en train de le tester, je vous en parle à la fin de la vidéo. Bon, tout d'abord, il y a eu un rework, il y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une vidéo dessus, je vous la mets en fiche. Ce rework au final était annoncé comme un nerf, donc c'était vraiment un gros nerf pour le coup de Maître Yi l'état. Mais par contre, ils ont un peu déconné sur Maître Yi On Hit, qui est devenu ultra fort. Je vais peut-être vous mettre des screens des win rates de Yi juste après le patch du rework. Donc globalement, on était sur de bronze, enfin de iron à platine inclus. Yi avait 55% de win rate minimum, donc c'était incroyable. Meilleur jungler du jeu à tous ses élos. En diamant, il était aussi à 51,5, je crois. Et en Master, il était un peu moins de 50%, mais le Master Plus, c'est pas le même monde. Tout ça pour dire, donc tout le monde s'est plaint. Du coup, quelques jours après, ils ont fait un hotfix pour nerf Maître Yi. Donc je vous l'affiche. Bon, clairement, ça a détruit Yi. En quelques jours, je crois, en deux jours, le winrate, il est tombé, mais ultra bas. C'est-à-dire en dessous de 50% pour le platine, genre 49-48%. En Master, injouable, genre 45% de win. Diamant il est plombé à 47, platine aussi est pas jouable, enfin pas jouable, 48 ou 49% de win, un truc comme ça. Horrible. Du coup, ils ont fait un patch 12.5B qui a annulé certains nerfs. Ils ont annulé les points de vie qu'ils ont enlevés, ils ont remis des dégâts sur le E et ils ont enlevé le nerf du cooldown de l'ultimate Maître Yi, un truc comme ça. Donc en vrai, ça fait plaisir qu'il pense un peu à Yi rapidement comme ça, parce qu'il était vraiment injouable après le nerf. Par contre, bah en vrai, les gars, il reste injouable à Wello. Alors bonne chance pour tous ceux qui sont en Diem Plus. Franchement, on est ensemble les gars. Et tous ceux qui sont en dessous de Diamant, en vrai, vous pouvez toujours jouer Maître Yi. En tout cas, je peux vous dire qu'il faut go BOTRK, ça c'est sûr. Hell of Blades, sûrement. Je pense que l'Lethal Tempo est aussi jouable, mais peut-être en lane au top, avec Maître Yi top exhaust. En tout cas, je ferai un petit update, je ferai un guide, je pense, dans quelques jours, quelques semaines peut-être, quand tout ça sera un peu redescendu, pour voir un peu comment on peut carry avec Yi. Et aussi, du coup, je voulais vous parler d'un nouveau build qui a été élaboré par un fou furieux de Maître Yi. C'est un mec que je connais depuis plusieurs mois. Quand je lui parlais, il l'écrivait en majuscule, genre. Il joue que Ignite Smite. Alors en vrai, vaut mieux Flash, hein, mais lui, c'est un malade mental, il joue Ignite. Et il écrit en majuscule tout le temps. Bref, il a fait un post. Donc je vous le mettrai dans la description, qui explique comment jouer Maître Yi avec ce nouveau build, entre guillemets. Franchement, ça c'est pas mal, il a fait D1 à Master 350 LP en 3 jours. Donc dans la période du nerf et du re-up, je sais pas trop. Mais en tout cas, là il l'a posté il y a quelques jours. Donc je vous le mets dans la description, donc c'est un Maître Yi Eclipse. Franchement, j'ai essayé, c'est pas mal. Après, faut prendre un peu l'habitude et le coup de main, mais franchement, c'est pas mal. Bref, voilà, du coup, je vous tiens au courant s'il y a des trucs qui se passent encore sur Maître Yi. Là, je pense qu'ils vont attendre de voir comment ça se passe au niveau du winrate. Là, c'est à peu près stabilisé, même si c'est un peu chaud de jouer en Wello. Mais voilà, pensez bien à vous abonner, les gars, pour pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez passer sur Twitch pour me poser vos questions en direct quand je suis connecté. N'hésitez pas à follow sur Twitch, comme ça vous verrez quand je me connecte. Voilà, allez à toutes les refs.